Je me présente. Je suis Samir. Vous m'avez sans doute vu dans le premier épisode de la série Relativise. Je suis effectivement membre actif au sein d'une association qui œuvre en faveur des veuves et des orphelins de Syrie. Mais je reste toutefois un homme, avec ses forces et ses faiblesses. Nous sommes tous équivalents face à nos buts ou à nos démons. L'engagement ne fait pas de moi une personne privilégiée. Il en va de même de la pratique religieuse. On peut trouver des personnes non pratiquantes bien meilleures dans le caractère que des personnes pratiquantes. Car hélas, de nos jours, les gens axent sur l'apparence pour mesurer et juger, alors que ce qu'il faut regarder, c'est essentiellement le cœur et le comportement. J'ai 30 ans, je ne suis pas marié, et je vais vous raconter mon histoire, ou plutôt ma galère. J'ai remarqué qu'en région parisienne, le mariage était retardé, si bien que pratiquement tous les potes qui m'entourent sont célibataires. Et cela, malgré qu'ils ont tous plus de 30 ans, voire qu'ils se rapprochent de la quarantaine. Je suis parti de l'ouvrir au calme, tranquillement. Ouais, c'est vrai. Frérot, ça va ou pas? Ouais, faut que tu marches en deux secondes. Ouais, t'as du temps ou pas? Ouais, je peux pas ça. Vas-y, monte là. Vas-y, tranquille, tu mets un petit truc sur le côté. Ouais, t'inquiète, vas-y. La solitude. Un vrai fléau en notre époque. Surtout quand Shaitan joue de notre vide affectif pour le remplir d'idées maléfiques. Le vide appelle le plein, c'est bien connu. Et à défaut d'être entouré par une épouse ou des gens pieux, c'est le diable qui devient notre compagnon. Oh, ça va, frérot, c'est comment ce moment? Hein? C'est comment ça dit quoi? Tranquille. Tranquille, c'est-à-dire? Sans Léo? Un frère, je te dis. C'est ça, hein. Comment ça, tu me dis ça à la va-vite comme ça, à une petite ou pas? Ou tu joues comme à FIFA avec. Une prime après. Non, mais attends, respect, tu joues comme à FIFA ou c'est comment? Ou il y a un truc carré? Je sais pas, frère. Non. Comment ça, tu sais pas? Oh non, t'as vu le jeu au moment là? Mais je suis pas la fin de regarde, pose la manette deux secondes parce que là tu es pas concentré. Là c'est pas concentré, vas-y. Voilà, deux petites secondes. Là, c'est comment? T'es dans du jeu ou t'es dans du sérieux là? Parce que là, ça c'est de la fiction, ça c'est la PlayStation. Moi je te parle de la vie là, soit sur Terre là. Ah frérot, moi je vais te le dire concrètement. Ouais. C'est pas facile. J'ai fait 2-3 mois comme là. J'ai parlé avec des sœurs. J'ai tout fait, j'ai fait toutes les sebebs, j'ai fait toutes les causes, etc. Au final, ça marche pas. Non, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. C'est peut-être toi qui a le problème. Parce que tu avec tout ce que t'as fait là, normalement, avec tout ce que t'as fait normalement, il y a forcément une petite qui a dû craquer et peut-être t'as dû faire un mec compliqué encore. Ah non, moi je te prends l'exemple. Moi je te prends l'exemple en fait là d'une sœur. J'ai parlé avec elle, etc. Ça allait se concrétiser, mais voilà, comme par hasard, en fait, les projets qu'on ne pas, etc. Quel genre de projet? C'est quoi, gars? Écoute, à mon avis, t'as dû la faire flipper. Ouais, frérot, t'as dû la faire flipper. Ce qu'on va faire, on va essayer de se capter avec elle. On discutera tranquillement. T'es trop optimiste, frère. Moi, je suis comme ça. C'est comme ça que ça avance. Voilà. C'est quoi? En attendant, comme t'as pas trop la tête dans ça, tu viens jouer ta partie de PlayStation. Hein. Tu sais ce que je vais faire. Vas-y. Tu joues tranquillement et moi je vais bouger vite fait. J'ai des trucs à faire. Ok. Vas-y. On se tient au courant, je vais pas te lâcher. On se capte. Non, c'est pas possible. La prochaine fois que je reviens ici, il faut que je mange un bon petit plat servi par madame. Ok. Vas-y, à plus tard. Vas-y, putain. Hein?
Ouais. Ils sont pas trop optimistes, hein. Il le faut. Faut qu'on soit pas trop négatif. Les temps ont bien changé. Je me souviens d'une époque où on pouvait sortir dehors dès l'âge de 8 ans, du matin au soir, sans craindre pour sa sécurité. Peut-on en dire autant aujourd'hui, avec toutes ces histoires de kidnapping et de meurtre ? Internet était censé rapprocher les gens, mais il n'a fait que les éloigner. Les gens vivent dans le virtuel plus que dans la réalité. On vit, on existe à travers les réseaux sociaux, si bien que s'opposent en nous la vie réelle et la vie virtuelle. La vie virtuelle, celle des réseaux sociaux, de telle sorte que convoiter une jouissance par l'entremise de la vie virtuelle portera indubitablement préjudice à notre vie réelle. Des fois, je me demande si c'est pas cette virtualisation de la vie qui est la principale cause de nos blocages au mariage, dans la mesure où convoiter une jouissance virtuellement peut nous priver de la baraka. T'as quelle heure? Ah ouais, il est 11h30. Mais oui, frère, dépêche-toi là. Vas-y, je vois plus vite, Chabat, je vois plus vite, vas-y. Tout de suite. Thank you.
Non, je suis pas bon. Ah, je sais pas quoi te dire. Non, mais franchement, c'est pas abus. Ça fait 2 heures que je suis pas officier. Voilà, c'est quoi, je suis pas dans le but de c'est que c'est pas une excuse, mais c'est bien, tu vois. Non, mais ça va, c'est franchement, ça fait une seule truc. Ah, désolé, trop, désolé. Non, désolé, frère. Non, mais la vérité, c'est... La vérité, c'est pour ça. Ça va, il a tout mangé de portier. Il veut commencer à 9h, la réunion. Ah, je sais bien, je sais bien. Comment on fait, maintenant? Frère, on est dépendant de toi, c'est toi qui as les clés. Tout le monde vient à 9h, toi, t'arrives, tu te pointes à 11h30. Comment on fait? Non, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Après, c'est, non, franchement, c'est très bien qu'en plus tout le monde il a des choses à faire. Il y en a, ils travaillent, il y en a, ils ont des enfants. Et toi, t'as rien à faire à part dormir, c'est tout. T'es... Frère, on a rendez-vous à 9h, c'est toi qui as les clés. Alors maintenant, ça y est, tout le monde il est parti. Comme ça, on n'avance pas dans les projets. Non, là, c'était toi le responsable, on était tous dépendants de toi, c'est toi qui as la clé. Franchement, c'est pas sérieux. Ah, c'est un peu compliqué ces derniers temps, c'est pour ça. Mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi ce qui t'arrive. Je sais pas, t'as des problèmes, dis-moi, si je peux... Explique-moi. Ah, c'est... Ouais. Ah, je vais essayer de faire des efforts, je sais pas. Je vais faire des efforts. Non, c'est pas juste faire des efforts, c'est... Je sais pas, il se passe des choses dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu peux complète. Tu vas m'en faire, mais je ferai des efforts. Pas le premier, je crois. En tant que membre actif d'une association, je ne peux pas agir comme si j'étais seul. Car mes manquements individuels peuvent justement porter préjudice à l'avancement collectif. Et c'est justement ça l'irresponsabilité qui apporte la malédiction à la Jama'a. La Oumma. La Oumma est un bateau. Et si l'on ne veille pas les uns sur les autres, c'est tout le bateau qui risque de couler. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Notre prophète alayhi salatu wa salam a dit dans une tradition que rapporte Ibn Majah: Inna minan nas mafatiha lil khayr wa maghaliqa lil shar. Wa inna minan nas mafatiha lil shar wa maghaliqa lil khayr. Fa touba liman ja'ala Allah mafatiha lil khayr ala yadayhi wa waylun liman ja'ala Allah mafatiha lil shar ala yadayhi. Dans cette tradition, notre prophète alayhi salatu wa salam a dit: il y a parmi les gens des personnes qui sont des ouvertures vers le bien et des fermetures pour le mal. Comme il y a parmi les gens des personnes qui sont des ouvertures vers le mal et des fermetures vers le bien. Que la félicité, le bonheur soit pour ces gens qui sont des ouvertures vers le bien. Et que le malheur soit pour ces gens qui sont des ouvertures vers le mal. À travers cette tradition, notre prophète alayhi salatu wa salam partage les gens en 2 catégories. Les gens qui sont source de bénédiction et les gens qui sont source de malédiction. Qu'est-ce qu'une personne qui est source de bénédiction? En réalité, c'est une personne qui vous ouvre des opportunités de réussite et par lesquelles tous nos problèmes se règlent. Et de l'autre côté, les personnes source de malédiction, ce sont des gens par lesquels les problèmes vous parviennent et les opportunités de réussite disparaissent. Donc, à mon sens, il est fondamental de savoir dissocier la baraka de la malédiction et de comprendre ces notions. Car à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent de blocages de toutes sortes, que ce soit au travail ou dans le mariage. Et très souvent, pour se dédouaner, il rejette la responsabilité sur les djinns, la possession, alors que très souvent, les blocages sont la conséquence de la privation de la baraka. D'où l'importance de savoir qu'est-ce que la baraka. La baraka, en réalité, c'est une notion qui met en évidence la fructification du bien. Quand nous sommes pourvus de baraka, en réalité, le bien se fructifie
Et il existe une baraka spirituelle comme une baraka matérielle. Les biens matériels peuvent se multiplier, se fructifier, de telle sorte que l'on puisse s'enrichir et investir ensuite dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, on peut fructifier notre lumière. Car l'être humain ressemble à un circuit. On a le devoir de le fermer afin de pouvoir renchérir notre lumière. De l'autre côté, vous avez les gens qui sont maudits. Ces gens-là qui ressemblent à des sachets troués, qui n'arrivent par conséquent pas à fructifier leur lumière ou à fructifier leurs biens. Bien au contraire, ils sont des gaspilleurs. Des gens par lesquels la lumière s'évapore ou les biens sont gaspillés. On distingue la personne bénie de la personne maudite à travers justement cette notion de fructification du bien ou de gaspillage. Et c'est pourquoi il est fondamental de s'attarder sur cette notion pour pouvoir comprendre pourquoi nous échouons dans la vie. La réussite dépend de la baraka. Et l'échec est souvent la conséquence d'une malédiction. C'est pourquoi on doit se poser la question de pourquoi nous sommes privés de baraka. L'une des raisons qui fait que nous pouvons être privés de la baraka, c'est tout simplement nos péchés. Et pas le péché uniquement. L'action de ne pas se repentir de nos péchés, l'action d'amoindrir nos péchés, l'action de ne pas reconnaître ses torts quand nous avons été injustes à l'endroit du droit d'une personne. Et très souvent, le témoin d'une malédiction à notre égard, c'est quand nous ne pouvons pas reconnaître nos torts, nos injustices à l'endroit des autres. On peut aussi subir une malédiction lorsque nous côtoyons des personnes maudites, car la malédiction, elle est contagieuse. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la malédiction à l'endroit du collectif. Effectivement, la malédiction peut toucher la Jama'a, de telle sorte que cette dernière ne puisse pas réaliser ses objectifs, concrétiser des projets. Et de quelle manière la malédiction peut toucher une Jama'a? Par l'irresponsabilité de ses membres. Vous savez ce que c'est que l'irresponsabilité? C'est l'action de faire abstraction des conséquences de nos manquements individuels sur le collectif. Quand vous avez des membres qui agissent individuellement d'un agissement à même de perturber la Jama'a, lorsqu'ils font abstraction des conséquences de leurs péchés individuels sur le groupe, alors, par l'entremise de ce membre-là, c'est la lumière du groupe qui va s'évaporer, qui va se gaspiller, qui va fuiter. D'où le danger de composer avec des personnes irresponsables. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, les groupes n'arrivent pas à concrétiser des projets nobles. D'où la nécessité de travailler à fructifier nos biens, nos lumières, et de veiller à entretenir la baraka que l'on peut avoir, de sorte d'accéder au bonheur. Car qui dit baraka, dit bonheur, dit contentement et satisfaction dans le peu que nous pouvons avoir. Et le contraire, justement, la malédiction mène à la frustration et donc au malheur, à l'action de ne pas pouvoir se satisfaire de ce que l'on a. Et c'est ça, la véritable pauvreté. Car celui qui se contente de ce qu'il a, il est riche, tandis que le véritable pauvre, c'est celui qui ne parvient pas à se contenter de ce qu'il a, même s'il a beaucoup. Et nous traversons malheureusement une époque où il y a beaucoup de pauvres, des riches matériellement, mais pauvres spirituellement, dans la mesure où ils ne peuvent pas se contenter de ce qu'ils ont. Quelle triste vie. Quel triste sort. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous inciter à vous responsabiliser. Là où vous vous trouvez en France, et je vous propose une action simple, facile à faire. Coller des affiches, de sorte de conscientiser un maximum de personnes
au drame qui touche nos frères et nos sœurs là-bas au Chêne. Si vous êtes intéressé par cette mission, là où vous vous trouvez, n'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant vos coordonnées, de sorte que l'on vous envoie des affiches que vous allez, Inch'Allah, coller dans les restaurants, dans vos quartiers, dans tous les endroits où vous pouvez, de sorte de faire connaître au maximum notre engagement à l'endroit des veuves et des orphelins. Wa billahi ta'ala tawfiq.